magazine ou regarder vos premières vidéos sur la pêche de la carpe, que vous ne savez pas quel matériel choisir ou pêcher, comment faire un montage digne de ce nom ou encore comment réaliser vos premières bouillettes, alors restez bien devant cette vidéo car elle devrait vous plaire. Je m'appelle Freddy, je suis le rédacteur du blog de la carpe et aujourd'hui je vais vous donner 4 trucs à connaître pour bien débuter la pêche de la carpe. Il n'y a vraiment pas à dire, quand on commence la pêche de la carpe, la tâche est plutôt, comment dire... Balèze. Bah oui, entre les termes techniques utilisés du style, bah moi j'ai un rod pod équipé de canne 13 pieds 3,5 livres avec un moulis et des débrayages, j'ai un corps de ligne en 13 composé de 4 brins, j'utilise également un arraché en fluorocarbone en 50 centièmes, et pour terminer, mon montage, j'aime bien utiliser un licor, un plombé, de façon à ce que mon montage soit plaqué sur le fond. Et ça, c'est un petit échantillon de ce qu'on peut voir ou entendre dans l'univers carpe sur les termes techniques. A partir de là, évidemment, pour apprendre tout le jargon et toutes les techniques, il est possible alors d'ouvrir un magazine sur la pêche de la carpe en se disant « Waouh, ça va être super, je vais apprendre plein de trucs qui me feront progresser, ça va être un truc de dingue !» Bah oui, mais non, en fait, c'est pas non plus mirobolant, quoi. Ah bon ? Bah bon, non, même si les mecs sont plutôt balèzes avec leurs techniques et tout, quand on débute, c'est quand même plutôt compliqué à mettre en place et même plutôt complexe à comprendre. C'est tout ce que je dis, moi. Ceci étant dit, voici tout de suite le truc numéro 1. Le matériel ou le matos, comme on dit au bord de l'eau, eh bien on peut le classer en 2 catégories. Dans la première, on retrouve tout ce qu'on va appeler plutôt le gros matos, ou en tout cas, ce qui représente le matériel principal, du genre les cannes à carpe, moulinets, rodpods, détecteurs, épuisettes, bivy, et tout ce qui est bagagerie. D'un autre côté, on a tout ce qui est, entre guillemets, le petit matériel. Dans cette catégorie, on retrouve par exemple les petites boîtes de rangement, le fil, les hameçons, les plombs, les gaines, aiguilles à bouillettes, etc., etc. Le plus important est évidemment de bien choisir le gros matériel. Et pourquoi ? Bah tout simplement parce que ça représente quand même un sacré investissement. Des centaines, voire parfois des milliers d'euros. Donc, faut pas se planter, quoi. Le conseil que je pourrais vous donner pour bien choisir est qu'il faut que ce matériel soit adapté à votre utilisation, tout simplement. Je sais que ça paraît bateau dit comme ça, mais combien de carpistes se retrouvent au bord de l'eau par exemple avec des cannes de 3,90 m, donc des 13 pieds, alors qu'ils ne pêchent uniquement en rivière et qu'ils déposent leur montage en bateau. Les 13 pieds sont plutôt conçus pour la longue distance. Donc combattre un poisson ou en bateau ou sur de petites surfaces d'eau avec ce type de canne, c'est plutôt pénalisant et on regrette vite son choix. Autre exemple, vous avez certains carpistes qui vont investir dans un bivy 3 ou 4 personnes et par conséquent qui sont assez volumineux. Le problème avec ce genre de bivy, c'est qu'ils prennent beaucoup de place au bord de l'eau. Donc ça peut être des fois très difficile à installer, voire parfois impossible dans certaines situations, certains endroits par manque de place. Et donc là aussi, on peut vite regretter son choix. C'est donc super important de faire les bons choix en matière de matériel, notamment sur ce qui se compose, ce qu'on appelle la batterie. Non, pas celle-là. Pour rappel, et pour ceux qui ne le savent pas, on appelle batterie tous les éléments, on va dire, qui servent directement à pêcher, si vous me permettez l'expression. Ça, c'est pour imaginer. C'est-à-dire le rodpod, les cannes, les moulinets, les détecteurs et les swingers. Et bien, tout ça, ça forme la batterie. Vous savez, les jolies batteries qu'on retrouve au bord de l'eau. C'est aussi comme ça qu'on différencie la pêche de la carpe au cou et la pêche de la carpe, donc, en batterie. Donc pour résumer et pour bien acheter, c'est super important de définir vos habitudes de pêche. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur les forums et poser des questions si vous voulez avoir des avis d'autres pêcheurs sur divers équipements. Un montage, c'est quand même super méga important. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous avez beau avoir mis en place la meilleure stratégie qui soit et que vous pêchez au bon endroit. Et bien si vous avez un mauvais montage, un montage grossier, un hameçon mal aligné ou encore un mauvais autoferrage, cela ruinera tous vos efforts. Alors aujourd'hui, je m'adresse aux carpistes qui débutent. Je ne vais donc pas vous parler de montages un peu trop techniques qui peuvent être compliqués à faire ou qui nécessitent par exemple trop de petits matériels. Même si bien sûr, certains de ces montages sont plus efficaces dans certaines conditions. Ça, c'est une certitude. Bref, on va donc se concentrer sur un montage simple qu'on pourrait qualifier de passe-partout. D'ailleurs, j'en avais préparé un que j'ai oublié, donc bougez pas, je reviens tout de suite. Si jamais je ne suis pas de retour dans 5 minutes, attendez plus longtemps.
Donc on a, si on reprend le montage en entier, on a le fil donc, qui représente le corps de ligne. On va passer un anti-emmêleur, donc c'est un morceau, un tube en plastique hein, qui permet en fait de quelque part de rigidifier un petit peu le montage pour éviter tout emmêlement. Donc voilà, on peut couper à peu près aller à une trentaine, quarantaine de centimètres. On viendra insérer dessus un petit manchon. Ensuite, on a un clip plomb, donc comme son nom l'indique, pour mettre le plomb dessus tout simplement. Et on referme, grâce au petit manchon au-dessus, voilà, on referme le tout pour emprisonner le plomb. Ensuite, on va mettre un émerillon. Donc en général, c'est des émerillons de taille 8, hein. C'est ceux qui correspondent à la taille du clip plomb pour qu'il pénètre bien dedans. On va mettre un petit silicone sleeve. Donc en fait le silicone sleeve ça sert tout simplement à, comme moi j'utilise un émerillon rapide, on vient donc mettre, on fait une petite boucle sur le bas de ligne, on vient donc mettre ce bas de ligne clippé ici tout simplement, et ensuite pour que le tout tienne bien, on va mettre un silicone sleeve dessus. Vous voyez là c'est pareil, c'est emprisonné, le bas de ligne lui il peut pas partir. Et bien sûr donc on retrouve le bas de ligne en tresse. Hameçon, en général, hameçon, on va retrouver un hameçon type 2 ou taille 4. Tout dépend de l'âge que vous utilisez, mais ça, c'est les tailles les plus classiques en général utilisées. Donc voilà pour ce montage, tout simple, efficace dans la plupart des situations, on va dire. Pas optimal, bien sûr, mais c'est plutôt pas mal pour débuter. Voilà. D'après vous, c'est quoi un bon appât ? On pourrait qualifier de bon appât un appât qui apporterait tout ce dont la carpe a besoin à l'instant T. Car on sait par exemple que la carpe a des besoins importants en protéines à certaines périodes de la saison, tandis qu'à d'autres, ses besoins seront tout autres. On ne peut donc pas utiliser les mêmes appâts tout au long de l'année. Et ça, ça coule de source. Enfin, si techniquement on peut le faire bien sûr, mais si on veut mettre toutes les chances de son côté, c'est plutôt éviter. Vous voyez où je veux en venir. A partir de là, comment choisir alors parmi tous les appâts qu'on peut trouver sur le marché ? Et comment les utiliser tout au long de la saison. Pour vous aider, on va donc comparer aujourd'hui trois types d'appâts qui sont les plus utilisés pour pêcher la carpe. J'ai nommé les graines, les pelets et bien sûr les bouillettes. Parlons de la bouillette justement, car c'est incontestablement l'appât le plus utilisé quand on pêche la carpe. Mais pourquoi à votre avis? Eh bien la réponse elle est simple, car on peut tout simplement faire les mélanges de farine nécessaires à ajouter les additifs adaptés à nos conditions de pêche. Et ça, ça peut être vrai d'une certaine manière avec les bouillettes du commerce, mais c'est surtout le cas avec les bouillettes maison. J'y reviens juste après. Évidemment, concevoir de bonnes bouillettes maison, ça demande un peu de maîtrise, voire parfois beaucoup pour optimiser nos appâts. Et comme c'est pas le but de la vidéo, je ne vais donc pas rentrer dans les détails. Si vous voulez avoir quelques recettes de bouillettes de base, vous pouvez cliquer sur la fiche qui vient d'apparaître en haut de votre écran. La bouillette est donc l'appât le plus utilisé, mais également le plus onéreux si on se le procure dans le commerce. Enfin, c'est comme tout, il y a à boire et à manger. Donc on peut très bien trouver des bouillettes pas chères, par exemple à 3 ou 4 euros le kilo, c'est tout à fait possible. Mais bon, leur efficacité, surtout sur le long terme, reste à prouver. Enfin, moi de mon côté, j'ai ma réponse. Toujours est-il que si on veut se procurer de la bonne qualité, bah, y a un prix à mettre, quoi. Et je sais pas vous, mais moi j'ai quand même beaucoup de mal à mettre 15 balles dans un kilo de bouillettes, aussi bonne soit-elle. Pour contourner ce problème et amorcer comme bon nous semble, on en vient donc, je vous le donne en mille, à la fabrication de la bouillette maison. Si vous voulez fabriquer ses propres appâts, c'est certainement mieux à tout point de vue. Car comme je le disais juste avant, on peut donc choisir tous les ingrédients des farines qui la composent jusqu'aux additifs. Et avec un peu de maîtrise, on peut donc fabriquer un appât qui sera non seulement économique, et que les carpes vont assimiler très facilement et potentiellement en grande quantité. Le deuxième type d'appât le plus utilisé sont les graines. Parmi elles, on retrouve le maïs, le chènevis, lupin, blé, noix tigrée, etc., etc. Même si toutes ne sont pas des graines à proprement parler. Mais ça, c'est des détails. En fait, ce qui est bien avec les graines, c'est qu'elles sont toutes leurs propres propriétés, comme par exemple le maïs qui est riche en glucides, le chènevis qui est riche en huile, ou encore le lupin qui est riche, lui, en protéines. C'est donc super intéressant de les mélanger pour amorcer et pêcher avec, puisque les graines ont souvent un effet instantané sur le poisson. Alors, le revers de la médaille est que ça attire quand même beaucoup de petits poissons et que l'efficacité sur le long terme n'est pas top. Contrairement, vous l'aurez compris, à la bouillie. Le troisième appât est donc le pelet.
Le pellet est un produit à base d'énergie. Non, pas celui-là, mais plutôt celui-ci. Le pellet a cette particularité d'avoir été créé pour nourrir les poissons et faire en sorte qu'ils aient une croissance optimale. De ce fait, il est donc bien équilibré des gestes et il peut être utilisé la plupart du temps, même si on va s'en servir surtout en complément d'amorçage. Enfin, on l'utilise la plupart du temps, sauf en eau froide, on pourra rencontrer des problèmes de diffusion, donc c'est plutôt à éviter. Il existe deux types de pellets. Le pellet extrudé et le pellet compressé. La seule différence entre les deux, c'est la méthode de fabrication. On a d'un côté le pellet extrudé qui sera, comme son nom l'indique, passé dans une extrudeuse. Ce processus rendra le pellet plus ferme et plus résistant. Il ne va donc pas se désagréger dans l'eau. Ah bon? Non, et le plus dingue, c'est qu'il conservera sa forme et s'imbibera uniquement d'eau, ce qui le fera gonfler. Le pellet compressé, quant à lui, et comme son nom l'indique lui aussi, est tout simplement comprimé. Ce procédé a le mérite de garder intactes toutes les protéines. En revanche, au bout de quelques heures, le pellet sera complètement désagrégé. Ce qui peut être bien dans certaines situations, mais pas super dans d'autres. Tout dépend de ce qu'on recherche, évidemment. Pour finir sur les appâts et concernant l'amorçage, rien ne nous empêche également des amorçages mixtes. C'est-à-dire qu'on peut très bien mélanger par exemple du pellet avec de la bouillette, des graines avec des pellets, voire même le droit. Il n'y a pas de règle par rapport à ça. Bien sûr, tout dépend là aussi des conditions de pêche. Se trouve un pêcheur avec de l'expérience qui pourra vous transmettre ce qu'il a appris depuis de nombreuses années, j'ai envie de dire... Tout ça change. Bah oui, imaginez un seul instant le temps énorme que vous gagnerez. Que ce soit pour l'approche technique, la confection de bouillettes, des montages, les coins de pêche qu'il pourra vous partager, ou encore les choses qu'il a essayées qui fonctionnent ou pas d'ailleurs. Bref, c'est forcément un gros plus. Et puis entre nous, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi la pêche c'est vraiment une passion qui doit se partager. Avant quand même, c'est vachement plus sympa d'aller à la pêche à plusieurs. Pouvoir discuter, échanger, des fois se prendre la tête aussi, avec Dédé parce qu'il est pas content car on a mis un hameçon trop petit, ou qu'on n'a pas lancé le montage au bon endroit. Bref, je terminerai donc là-dessus cette vidéo sur les 4 trucs à connaître pour bien débuter la pêche de la carpe. Merci infiniment de l'avoir suivi. Bien sûr, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager, vous abonner, tout ça, tout ça. Ça me ferait vraiment plaisir. Pour finir, vous pouvez également télécharger mon livre numérique, La carpe, technique et stratégie gagnante. Donc ça, c'est entièrement gratuit, tout simplement en cliquant sur la petite fiche qui apparaît en haut de votre écran. Je mettrai également en lien dans la barre d'infos. Et dernière chose, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, si vous voulez que j'en refasse d'autres et sur d'autres thèmes, eh bien, laissez-moi un petit commentaire, tout simplement. Je vous dis donc à bientôt et comme dirait Valérie... Au revoir.